par exemple, la partie fuselage arrière et une partie du fuselage avant, Hambourg a les compétences, les outils, les ressources pour faire ça. Le fuselage central, c'est plutôt Nantes-Saint-Nazaire. Les voilures, c'est en Angleterre, l'usine de Bretonne. L'empennage arrière horizontal, c'est en Espagne. L'obligation, c'était de regrouper toutes les pièces, les 6 gros composants. Alors l'assemblage, c'était à Toulouse. Donc finalement, les 190 km se sont transformés en 245. Et ce tracé va faire l'objet de batailles locales épiques. Dans quelques mois, les voilures, les sections du fuselage et l'empennage seront devenus le dernier A380. Un moine très pauvre vivait là avec son chat. Un jour, un seigneur passe devant le temple et aperçoit le chat qui a la patte levée comme pour l'inviter à entrer. Il s'approche et au même instant, la foudre s'abat sur l'arbre où il se trouvait quelques secondes plus tôt. Grâce à sa patte levée, le chat venait de sauver la vie du seigneur. Et voilà comment le Maneki Neko est devenu le symbole de la chance au Japon.